Bon, moi je vais faire une vidéo. Et donc salut à toutes, c'est GameDestiny, ma vidéo pour décryptage d'exo et légendaire. Ça fait longtemps que je faisais plus de vidéos sur les décryptages d'engrammes. Donc alors là, pour savoir, regardez, j'ai plein d'engrammes exotiques et légendaires. Donc voilà, quelques petits engrammes exotiques et un peu légendaires. J'ai beaucoup plus d'engrammes légendaires, bien sûr. Mais voilà. Donc je voulais garder ça pour... Pour les nouveaux exotiques qui vont arriver, mais décryptons d'abord les engrammes légendaires. Sanamara, en le grand engramme légendaire. Fanion souterrain. Heliatus, Ayatus 2. Samsara 1. Et Sam. Maintenant passons dans les engrammes exotiques. Donc, commençons avec les gantelettes. Alors, griffe d'Ankara, donc. Pour ceux qui connaissent pas, donc alors, ça peut vous conférer, vous obtenez une charge supplémentaire pour toutes les attaques de mêlée d'Arcanine chargées. En gros, vous allez avoir, au lieu d'une charge supplémentaire, vous pourrez en avoir deux. Donc voilà, très beau casque et très beau gantelet, excusez-moi, donc voilà. Bon, commençons. Isshin du jeune Ankara. Alors, pour les échines du Zanlan Kara 2,90, c'est dommage, j'ai que de la merde dessus. Donc, augmente la durée des grenades laser, vous recevrez une charge de grenades laser supplémentaires. En gros, vous allez recevoir deux grenades, très belles gantelettes pour l'épreuve. Augmente la vitesse de rechargement avec fusée d'éclaireur, c'est pas mal pour ceux qui jouent fusée d'éclaireur. La portée de lancer de grenades est augmentée, ça, bon, c'est pas mal pour ceux qui savent jouer à laser grenade. Les grenades collantes, plein de trucs. Alors, vêtements d'Ashe ennemi, je l'ai déjà eu, il est vraiment pas mal. C'est lorsque vous ramassez des munitions pour l'arme principale, vous recevrez occasionnellement du lumens. Lorsque votre super est prêt, les orbes rechargent l'énergie de votre grenade et votre attaque de mêlée. Réduit les dégâts que vous pouvez recevrez en boule solaire et augmente la capacité en munitions pour les armes spéciales. Donc ça, c'est pas mal pour l'épreuve ou plein d'autres trucs. Donc passons à la suite. Hop, âme d'obsidienne. Alors pour l'âme d'obsidienne, c'est pas mal pour la voie abyssale parce que les frags réalisés avec bombe nova réduisent le délai de récupération de votre bombe nova, donc de votre prochaine bombe nova. Donc en gros, c'est pas mal ça parce que quand vous tuez un mec avec bombe nova, vos prochaines rechargent très rapidement. Les gains d'énergie de votre super est amélioré en cas de frag sur les cibles qui ne sont pas les gardiens. Les boucliers commencent à se régénérer dès que vous ramassez les orbes. Donc là, c'est pas mal, ça prend en épreuve. Et donc plan C, quelle bonne arme. Et le quatrième cavalier, donc qui est pas mal comme arme. Les frags réalisés avec cette arme, qui est bien sûr en rafale illimitée, mais pas mal.